Michel Lefaux, né en 48 à Tôtes. Ulpéfaux. Mon grand-père s'appelait Jules Elfaux, mais les sources qu'il connaissait, il l'appelait Ulpéfaux. Vous l'avez pas connu, vous êtes trop jeune. À ce, il aurait 140 ans. Il était sur une petite plage à Varneville, au bout de bord. Elle a que mon père est né. Elle était le petit dernier, puis en plus, c'était un petit raviset. Il avait été gazé pendant la guerre, il mangeait pas grand-chose. Un quignon de pain, il faisait la semaine, puis il y avait des moments qu'il pouvait avaler du bouillon. Plus vieux, il a resté à Cordelville, pas loin de la chapelle, dans une maison avec des colombages. Puis après, il a été chez ses enfants, chacun le tour. Un coup, il rencontre un autre vieux à la porte de l'église de Varneville, après l'évêque. Le vieux, il dit: mais Elpéfaux, t'es pas comme mort, donc. Quand il restait chez mon oncle Jules, il buse au cœur un petit, mais il veillait pétroclé. Mon oncle avait planté des dahlias, il ne les a jamais vus pousser. Dès qu'il pointait le bout de le nez, un petit coup de rosette. Donc il était chez l'oncle Jules quand Vlatipok, un matin, il dit à mon oncle: eh, qui a tiré un coup de fusil? Mon oncle n'avait rien entendu. Le coup de fusil était dans la tête au grand-père. Ça a fait du dégât. Le péfaut était faux. Il veillait la grosse Bertha tirée sur Paris. Il causait à mon oncle Joseph qui était mort depuis 20 ans. Il faisait des caprices comme un béso. Que fait, il voulait ni se coucher ni rester debout. Un coup, il a resté au milieu de l'escalier pendant une heure. Il voulait ni monter ni descendre. Le docteur est venu. C'était un gamin qui remplaçait le vieux médecin. Il a dit: il est foutu. Il n'a au coup pour 2 ou 3 mois. Il a fallu le garder jour et nuit. Ma paix, mon oncle et puis mon cousin se reliaient. Des coups, il respirait plus 1 ou 2 minutes. Puis il repartait. Puis un matin, il a dit à mon oncle: il fait beau. Toi, vous pouvez fouquer. L'oncle, il se dit dans le lit: mais vrai chat, m'en va fouquer. Le grand-père avait retrouvé toute sa tête. Mais quelque temps après, il a dit: il y en a qui sont venus me garder. Ben, ils ont perdu le temps. Ah, elle va mal.